Coucou les amis, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ce jeu Murmure de guérison qui a été écrit par Angela Hartfield et qui a été dessiné par Joséphine Wall. Je me suis demandé franchement si c'était nécessaire que je vous fasse cette vidéo de présentation parce que je vous en ai beaucoup parlé de ce jeu dernièrement. Fin d'année 2018, on a beaucoup travaillé ensemble dessus, ça a été un petit doudou deck, un jeu réconfortant pour cette fin d'année que j'ai beaucoup apprécié. En sachant que ça fait très longtemps que je suis en amour devant les illustrations et les peintures, pas les illustrations mais les peintures de Joséphine Wall. Je suis son travail avidement parce que je l'aime énormément. Donc voilà, je me suis posé la question et en fait je me suis dit rien que pour le plaisir de vous remontrer les cartes en bonne qualité, enfin avec une image de bonne qualité. Parce que c'est pas toujours le cas quand on est en direct le matin. Là, je vais pouvoir vraiment me faire plaisir et vous faire plaisir en vous montrant les illustrations, les magnifiques illustrations de ce jeu. Donc, Murmure de guérison, ce n'est pas le premier coup d'essai de Joséphine Wall sur les jeux d'oracle. Ici, c'est son troisième, je crois, coffret, qui est sorti fin 2018. Les textes sont de Angela Hartfield et j'ai beaucoup apprécié également les textes de ce jeu. Vous l'avez vu, je vous en ai déjà parlé. Un jeu très beau avec un coffret rigide et l'intérieur en violet un peu scintillant. Voilà, je vous promets une bonne qualité d'image et ça me floute. Non. Voilà, donc on a un coffret à l'intérieur qui est un petit peu scintillant. Voilà, on se rejoint sur l'image. Un livre ici assez traditionnel, hein, avec une introduction traditionnelle sur comment utiliser ces cartes, poser la question. On a pour chaque carte un texte d'à peu près une page et demie. Voilà. Je le trouve bien fait parce que j'apprécie en fait que ce soit concis, on va directement à l'essence de la carte, on n'a pas besoin de plus. Les écrits sont très bien faits et voilà, donc j'ai autant aimé l'art que le livret dans ce jeu. On a les cartes qui arrivent ici, je vous les montre juste après. On a toujours le petit pochon qui se fait maintenant aux éditions Vega, enfin aux éditions Très Daniel dans leur globalité. Donc c'est un coffret de 50 cartes, vous le retrouvez aux éditions Vega pour le prix de 24,90€. Ces murmures de guérison vous aideront à nourrir, restaurer et renforcer votre être émotionnel, physique et spirituel. Que vous souhaitiez soulager une peine de cœur, résoudre un problème professionnel ou découvrir des moyens d'affirmer vos croyances et attitudes, ce coffret deviendra pour vous une source de soutien, de guidance et d'ouverture de conscience. Utilisez ces cartes quand votre santé vous paraît compromise et l'énergie apaisante de la sagesse vous aidera à retrouver l'équilibre, bien-être et plénitude. Plongez dans l'univers des messages d'Angel Hartfield et voguez sur les détails sublimes des illustrations envoûtantes de Joséphine Wall pour puiser dans l'énergie de guérison qui abonde en vous et autour de vous. Il est temps que vous obteniez une guérison personnelle complète, profonde et véritable. Voilà. Alors mon seul et unique petit bémol, parce que c'est quelque chose que je n'aime pas dans les jeux, va se trouver au niveau de la présentation, c'est-à-dire qu'on a des cartes tantôt qu'il faut prendre horizontalement et tantôt qu'il faut prendre verticalement. Et ça c'est agaçant quand on doit faire un tirage, voilà pourquoi j'utilise plutôt ce jeu à une ou deux cartes, pas plus, parce que sinon, personnellement j'aime pas ça, je sais qu'on est nombreux à ne pas aimer ça, donc je préfère aussi vous le mentionner. Vous avez des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. Des dorures et le dos sublime. Voilà. Donc, je vais vous faire la présentation maintenant des cartes. Thank you.
Voilà pour ce très beau jeu de cartes. Je vous souhaite beaucoup beaucoup de douceur pour terminer votre journée. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.